Brick by brick, I built a wall strong enough so it won't fall. One by one, they came from my mistakes. Somehow you have come along, showing me the right from wrong. You say you won't stop until it. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve parce qu'on a décidé de faire un genre de mini-série et voilà, ça peut être sympa et du coup ben, vous allez nous suivre pendant un petit temps au quotidien. Ta Snoopy ? Nous sommes comme neutres, donc il y a moi, il y a Snoopy et puis il y a Destinée aussi. On est vraiment très liés, on est vraiment comme une famille et c'est vrai. Donc voilà, maintenant on va vous faire visiter la maison. On commence par ici, l'armoire. Donc ici c'est où je stocke tous les livres sur les animaux que j'ai reçus et qui viennent aussi de la bibliothèque. Voilà, c'est de la culture générale. On va dire ça comme ça, la culture générale sur les animaux. Ici c'est tous des magazines, donc c'est plus des livres, c'est des magazines. Et ici c'est plutôt sur les chevaux avec des posters. Et voilà, ils sont là et si un jour j'ai besoin d'une info, ben, j'ai ma propre bibliothèque quoi. Ici c'est tous des CD d'animaux que j'ai reçus, voilà, et avec mes figurines bien sûr, elles sont un peu partout. Voilà, c'est les premières figurines que je me suis payées, j'avais 10 ou 11 ans. Ici, bah, c'est des livres qui n'ont rien à voir avec les animaux, plus des livres pour l'école. La dernière étagère, donc ici, c'est des films. Donc voilà, je suis une fan de films d'horreur, donc voilà, ça se voit. Et puis à côté, c'est les CD de musique de nos répétitions. Donc voilà, ici, c'est mon bureau, là où je travaille, où je fais mes devoirs et où je fais les montages vidéo, les tutos, où je publie. C'est mon plan de travail. Tiroir de Snoopy. C'est des tiroirs que j'utilise pas pour travailler. Et donc voilà, je les utilise pour Snoopy. Donc ici, c'est son armoire à costumes. Voilà, il y a que ses costumes et un peu des miens, mais pas beaucoup. Ensuite, le deuxième tiroir, c'est son tiroir de jouets et de bonbons. Snoopy, non, non. C'est mon père. Voilà, il a déjà trouvé son bonheur. Donc ses jouets, ses peluches et ses bonbons. Donc voilà. Donc ça c'est le lit de Snoopy, ça c'est mon lit. Et voilà, en dessous de son lit, ben, c'est un coffre en fait. C'est un coffre. Un coffre où je mets des choses que je n'utilise pas, comme je sais pas, les cours des années précédentes. Et là, ben, c'est ma table de nuit. Snoopy, tu défais tout là. Donc ici c'est ma table de nuit et voilà, j'utilise pas non plus donc ça me sert pas à grand chose. J'ai gardé en secret dans une boîte en argent. Donc
voilà, ça c'est notre album de souvenirs, je vais dire. Donc quand on fait des prestations ou quand on répète, ben tout ce que j'écris en rapport avec ces attitudes, ça se retrouve dans ce cahier, et voilà, ça fera un excellent souvenir. Qui a ta couverture à l'envers? Ah mais faut tout faire, non je rigole. Donc voilà, ici on est dans la salle de bain où Snoopy parfois il prend son bain ou une douche, ça dépend. Comme dans toutes les familles, comme dans toutes les meutes, il y a des règles qu'on est tous tenus de respecter. Prenons un exemple, on se promène dans la rue, Snoopy est en laisse et il aperçoit un chien de l'autre côté de la route. Il lui est défendu de traverser la route sans que je lui autorise d'autres interdictions. Il lui est défendu de faire du mal à destinée ou à moi-même, ou à lui-même aussi. Il n'a pas le droit de déchirer les poubelles. Voilà, je crois que ça va de soi. Snoopy n'a pas le droit de dormir dans mon lit, il n'a pas le droit de monter sur les meubles, sur les fauteuils. Maintenant, voilà, c'est une interdiction, mais j'accepte les caprices à cette interdiction-là. Donc, si Snoopy un jour vient près de moi dans mon lit, je peux accepter comme je peux ne pas accepter. En fait, ça dépendra de la situation. Snoopy n'a pas le droit de faire pipi et caca partout, il n'a pas le droit de déchirer ses nounours. Destiné n'a pas le droit de monter sur les meubles, il n'a pas le droit d'aller dans la chambre des parents, il n'a pas le droit d'aller dormir dans les armoires. Donc il est obligé d'aller faire ses besoins dans sa litière. Moi j'ai eu dans l'obligation de les nourrir, je suis obligée de leur donner à manger, mais j'ai pas envie de dire ça, enfin, je me sens pas forcée en fait, je le fais parce que je dois le faire, parce que je veux le faire, parce que j'aime mes animaux, leur donner un toit. Les rentrer quand ils sont sous la pluie, m'occuper d'eux, faire leur éducation, leur apporter de l'amour et du respect surtout. Le respect, ça c'est une obligation que je suis obligée de respecter. Je peux pas les maltraiter, je ne peux pas les jeter dehors, je peux pas m'en débarrasser comme ça. Enfin, voilà, quoi, c'est pas vraiment de l'interdiction. Voilà, on est dehors et donc, bon ben venez, je vais vous... Va au fond. I don't wanna be the girl who laughs the loudest. Or the girl who never voilà. Wants to be the girl. Voilà l'une des sacs poules. Ce serait bien s'il arrive à te choper, tu crois pas? On va me faire courir. Allez, viens, cote-cote, viens. Et voilà, cote-cote. Ça va ma poule? On y va? On va voir le poulailler? Donc, voilà les poules, leur enclos et leur cabane, leur poulailler. Kevin, attention, je vais voir s'il y a des œufs. Alors, est-ce qu'il y a des œufs? Ne mangez pas. Hein? Ne mangez pas. Voilà, le rituel, c'est de venir rechercher les œufs. Ben, pas spécialement avec Snoopy et Destiné, mais ils sont souvent là pour m'accompagner. Et voilà, on peut y aller. Ici, on se trouve dans la cabane, donc c'est ici qu'on stocke la paille, les graines pour les poules. Donc voilà, et ça c'est une grande cabane, donc ça c'est aussi de toit pour les chiens quand ils sont dehors. Mais ils sont pas assez intelligents que pour venir, donc voilà. Mais ils peuvent quand même venir, c'est ouvert tout le temps, il fait bon, donc voilà, mais il fait pas. Quand je rentre chez moi, première chose que je fais, c'est
me débarrasser de mes affaires. Je fais mes devoirs, je vais sur ma boîte mail. Au soir, je vais répéter avec Snoopy. Par contre, si je venais à rentrer plus tôt que prévu, dans la journée, j'essaierai toujours de faire quelque chose avec Snoopy, d'aller se promener en ville ou d'aller faire une promenade dans les champs. J'essaie vraiment d'être le plus souvent, de faire le plus de choses avec Snoopy. Le matin, je me lève. Souvent, il me faut 10 minutes à 15 heures pour me lever. Et en général, ça arrive pratiquement tous les matins. Snoopy m'entend, commence à me lever. Alors la première chose qu'il fait, c'est monter dans mon lit et me faire un gros câlin. Alors là, direct, il me fait un gros câlin. J'ai envie que d'une chose, c'est de rester là toute la journée à lui faire un gros câlin et voilà, à dormir quoi. Quand je vois que Snoopy s'apprête à venir dans mon lit, j'essaye de me lever parce que sinon, je sais que je ne serai plus me lever quoi après. J'aime pas trop être réveillée trop brusquement le matin comme ça. Alors quand le matin, je suis ici et que je m'habille, ben j'aime pas que Snoopy vienne et qu'il me fasse la fête comme si on s'était plus vu depuis 3 jours. D'habitude, Snoopy est dehors, dans le jardin. Il passe le plus clair de son temps au jardin. Le jour où on le verra qu'il ne courra pas dans le jardin, c'est qu'il est malade. Obligé.